Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je continue ma série Grosse Bouffe Level Up sans rang de maîtrise. Donc on est pour l'instant on avait laissé j'étais 608 de maîtrise dans le dernier épisode, j'ai fini de prendre les 50 points avec le badge des Léviathans, je crois, ou le badge des jardinages. Donc je suis passé, comme vous pouvez le voir ici, hop, 609. Et aujourd'hui, je vais prendre 3 petits points de maîtrise, je pense, d'un coup, easy, en quelques minutes. Voilà, donc on va voir ça de suite ensemble. On finit cette petite arène. Et hop, voilà, oh mon dieu, un petit coffre, donc oh, c'est presque plus long à casser le coffre qu'à casser l'arène. Pourquoi on va prendre 3 points de maîtrise d'un coup? Parce que je n'ai jamais, jamais appris les costumes de divinité spoilés. Voilà, je les ai jamais appris parce que je les trouvais pas top. Il y en a 2-3 qui sont top, mais pas pour les classes que je joue. Et donc on va se faire 3 levels de maîtrise. Voilà, la série va durer 2 minutes. Et l'épisode, en tout cas, ça va changer. Donc voilà, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut en divinité spoilée. Et donc c'est parti, vous êtes prêts? Donc on y va. Allez, go. On va mettre le niveau de maîtrise ici, ça va être chouette de le voir monter en même temps. Hop, voilà. Comme ça, on va bientôt passer à... Ah, voilà, un niveau de maîtrise, donc 610. Allez, je pense que tous les 3 costumes ou 4 costumes, on va prendre un niveau de maîtrise, tous les 4 costumes. 1, 2... Ah non, là, on va en prendre un même... paf, 2. Donc, on va continuer. Hop, je crois qu'on va en prendre plus que 3. Donc, on a déjà passé les 610. On a le Klebs. Prospère. Donc hop, on a fabriqué ce costume, encore un petit rang de maîtrise, 612, ouais, encore un rang de maîtrise, vous êtes prêts? 613. Ah putain, je pensais pas qu'on allait prendre autant. Il donne combien? Il donne 175 points de maîtrise, les costumes. Ah ouais, d'accord. Donc on va passer... on va passer 614, 615, 616, 617. On va se rapprocher des 620 très dangereusement. Voilà, comme ça c'est pour faire râler un peu ceux qui disent que j'ai pas assez de maîtrise. Parce que pour être bon, apparemment, il faut être dans les 700 points de maîtrise ici. Donc on va le faire. Là, on est passé 615 de maîtrise, 616 de maîtrise. Ah, j'ai jamais monté aussi facilement. Donc là, on va passer, vous êtes prêts, 617 de maîtrise. Ouais. Là, on va passer 600... Non, on va pas passer les 618. Là, on va passer les 618 et on s'arrêtera là. Donc, on va crafter le dernier costume, bien entendu. Donc, ouais, 150 points de maîtrise par costume, ça fait mal, ça fait mal. Donc hop, je les avais jamais appris parce que 619, voilà, 619. Donc la vidéo va s'appeler combien de temps? Grosse Bouffe prend 11 points de maîtrise en 3 minutes 50 chrono en main, voilà. Donc on va voir si j'ai passé les 700 parce que ça s'est pas mis à jour. À 697. Donc tremblez les HL, j'arrive, je récupère mes rangs de maîtrise. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça que j'ai jamais fait dans Trove. J'avais fait une vidéo où j'avais présenté tous les costumes. Donc tous ces costumes, on va pas les voir. La vidéo va s'arrêter ici. Parce que vous allez pouvoir les trouver sur une vieille vidéo où je présente tous ces costumes. Donc qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en fait j'avais farmé donc avec plein de petits comptes pour pouvoir faire une vidéo très rapidement pour présenter tous les costumes parce qu'ils étaient longs à obtenir tout seul. Et du coup bah, je les ai jamais craftés avec mon compte principal, je les avais déjà vus et voilà, j'avais la flemme. Et la flemme de crafter. Et je m'étais dit que j'allais le faire en vidéo avec vous.
Donc voilà, c'est fait. Donc on va regarder dans le classement. Bon, on n'a pas regardé avant, mais j'ai bien dû monter dans le classement. Donc hop, c'est où méta, maîtrise totale, point de maîtrise totale. Donc on va mettre que les amis. On va voir où j'en suis, on va voir qui je vais, on va voir qui je dois concurrencer. Donc, oulala, pour l'instant, je suis encore loin, je suis même loin de joueurs qui ne jouent plus depuis un moment. Donc, mais bon, je me rapproche doucement. Je me rapproche doucement. On va voir où sont les amis de Noob Express. Oh là là, il y a Race de Mort, là, je suis encore loin. Adonis, je suis encore loin. Oulala, et elle est où ils sont où? Elle est où Crémotte? Elle est où Crémotte? Est-ce que je l'ai dépassé ou pas? Juste pour faire râler Crémotte. Non, c'est impossible de dépasser Crémotte. Elle est ici. Elle a 114 000 points, 470. Et moi, pauvre mortel, j'ai 109 points. Ah, peut-être que en forçant un peu, je vais y arriver. Voilà, c'est le but, c'est détrôner Crémotte. Donc, mais je pourrais pas, elle a trop de packs payants. Donc voilà, on a fait une belle progression, un petit épisode rapide qui fait plaisir. On n'a pas vu le Kleps Prosper, qui est là. C'est donc un ally, merde, je croyais que c'était une monture. Il donne 25 de trouvailles magiques et 8 de dégâts entrant. Donc autant dire, c'est tout pourri pour un niveau de récompense de maîtrise si élevé. Mais on va voir à quoi il ressemble. Donc quand même, hop, le Kleps prospère. Je vois pas en quoi il est prospère. 25 de trouvailles magiques, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais il faut le dire, il faut le dire. Donc voilà, il est là, c'est un petit toutou trop mignon. Bon, dommage, il est tout doré. Mais il se met dans ma faux. Il faut pas que j'utilise la faux quand on regarde les allies. Donc voilà, il est vraiment trognon. Je sais pas s'il y a d'autres chiens. Non, c'est le seul chien qu'il y a dans Trove. Donc rien que pour ça, c'est cool quoi. Voilà, un petit skin de chien. Dommage qu'il n'ait pas noir et blanc ou un peu plus sombre. Ou... voilà, mais tant pis. Un chien doré. Donc voilà, j'espère. Il y a peut-être un skin. Je vais peut-être essayer de lui trouver un skin. Donc voilà. C'est fini pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite. On va retourner en Géode, galérer en Géode, essayer de finir de monter ce niveau de Géode. Et hop, voilà, on a encore pas mal de paliers à faire. Mais là aussi, en Géode, maintenant, je vais avoir de quoi progresser très vite. Et je pense que prochain épisode sur Géode, on risque de prendre 5 ou peut-être un peu plus de niveau, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Je vous laisse, je vous dis bye bye. On va regarder comment il danse, notre toutou. Allez, dance. Dance, vous voyez comme je suis à fond en anglais. Donc ouais, il trépigne, là il a plus, il danse pas, il a plus envie d'aller faire sa balade quoi. Mais bon. Voilà, donc Terry 2, merci beaucoup pour ta demande d'amis, voilà, en direct live. Et quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Hein. Je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose. Donc on a tout le marché de l'ombre. On va juste vérifier, mais on a tout de chez tout. Donc voilà, il n'y a plus de problème. Je vais pouvoir fabriquer. Je vais vous faire râler aussi. Je vais vous faire râler un petit coup. Voilà combien je peux fabriquer de coffres de trésors de titans. Alors pourquoi tu les fabriques pas, grosse bouffe? Ouais, je vais le faire et je vais faire un gros opening. Je vais faire un opening de 2000 coffres de trésors de titan. On va rigoler. Et les cassettes de gemmes investies, on va rigoler aussi. Combien je peux en faire? Pff, 834. C'est voilà. Donc non. Non, pitié. Et il faut des âmes lunaires, voilà. Mais les divinités spoilées, je suis content. Maintenant, il m'en reste 80 et je vais pouvoir crafter des coffres du chaos, des coffres lumineux et ténébreux, ouais, voilà, du chaos. Donc, gros opening aussi en perspective. Bon, à très vite tout le monde. Bon jeu à tous. Hop, pourquoi j'ai slash face spam. Donc voilà, slash wave, j'y arrive. Bon jeu à tous. Ciao tout le monde. Bye bye.